Yo les gens, on est en live sur The Crew Motorfest, pas du tout. Forza Horizon 5, on était sur The Crew Motorfest juste avant, enfin le Summit, on est en live du coup sur la nouvelle saison de Forza Horizon 5. Dernière saison de cette année Forza, du coup, ça a débuté. On n'est pas en retard pour une fois, on va bien sûr commencer par le Forzaton avec. Check juste la boutique, rapidement, on n'a absolument rien à acheter. Très bien, je propose qu'on commence avec le Forzaton et puis après on fera le reste qu'il y a à faire. C'est-à-dire test, labo d'épreuve, chasse au trésor, Eliminator. Voilà, on verra bien. Let's go, l'Alfa Romeo, je l'ai déjà pris. Parti, on peut. Remporter une course de drague. Je serai en S normalement. Et si c'est pas ok pour gagner, bon, on verra. De drague du festival. Allez, c'est win. Hop là, ensuite. Réparti cette agilité en donnant 3 étoiles dans les. Après, 3 étoiles, on n'est pas obligé de faire en une fois. Tournez à droite. Quand du pire, on peut faire 2 passes. Donc c'est 200, peut-être les 3. Ça va le faire. Là, il y a un gros frère. On sera obligé de passer une autre fois. On aurait pu, j'aurais presque pu le faire en vrai. Dans l'autre sens, je suis sûr que ça serait pas ça. Cumuler 50 000 points dans des zones de drift. De côté. Ouais, du coup, je le redis, on devait faire du Star Wars après, mais comme j'ai décalé The Crew Motorfest, j'ai beaucoup. Soir, donc on fera du Star Wars demain, après-midi. Et après la semaine prochaine, il risque d'avancer. J'aimerais bien bien avancer quand même. C'est vrai que du coup, cette semaine, avec les petits problèmes de santé que j'ai eu, rien de grave, hein. Enfin, expliqué tout à l'heure, hein, je vous rappelle. Là, éventuellement. Petit problème musculaire qui fait que. Ça va déjà un peu mieux, pas un peu mal, mais en vrai, ça va mieux beaucoup. Par traîner un peu la patte. Horizon Arcade, test, labo d'épreuve. Voyons l'horizon arcade là éventuellement. Si, si on est dans le timing ou pas. The
zone de vitesse pionnier, zone de vitesse. Pacte B700. J'ai le temps de commencer un peu les. Pas attendre trop. Combien? 136. En B, 136, ça commence à être pas mal. Pas à terre en plus. Casse-gueule avec plein de virages. Ça va être chaud. À moins de gagner beaucoup de vitesse sur la fin, ça va être compliqué. Sortie de la zone. Ah, mais il y a moyen de faire quelque chose, je pense. Peut-être dans l'autre sens en vrai. En vrai, peut-être dans ce sens. Ça sert à rien d'arriver avec trop d'élan non plus. Hein. Enfin, beaucoup plus que ce qu'il y a. Enfin, un peu plus que ça. Pas besoin de faire du 170 quoi. C'est bon. Là c'est ok. L'horizon arcade? C'est bien. Vous êtes en avance, mais la prochaine épreuve. Laisse le temps de choisir une voiture. Bientôt commencer. Amusez-vous bien. On a une voiture, on est bien. Allez, une petite minute à attendre. On continuera les coups de pub. Après, on ira faire la photo et le coffre trésor aussi. Amusez-vous bien. On va faire l'horizon arcade tant qu'on a un bon timing. Faites de nos tours dès que possible. Quand tu veux, l'horizon arcade. La manche 1 est lancée. J'aurais mis le temps. Zone de drift en vue. Plus qu'à se mettre en travers. J'aurais mis le temps à se lancer, putain. Ouais, TP, je perds du temps limite. Faites demi-tour dès que possible. Et j'ai perdu du temps à TP, quoi. Ah putain, mais reste sur la route. T'as pas fait échec, c'est déjà.
Oh, il doit manquer que dalle parce qu'on a fait 199 000 là. Les deux, il y a un deuxième gars, mais. Il doit manquer que dalle de points. Merde, ça va me faire échec. Échec, c'est là. Ça a pas fait échec, c'est incompréhensible. J'ai vu trop loin. Dans 400 mètres. Allez. Tournez à droite. Dans 200 mètres, tournez à gauche. Change juste ma vitesse. Tournez à gauche. Heureusement qu'on a du temps parce que. Ouais. La voiture elle drifte mieux sur la terre que sur la route. Hein. Sur la route je perds trop de vitesse. Sur la route je perds trop de vitesse, c'est abusé. Tour 4 c'est validé très bien. Allez on va faire les autres. On va reprendre la même bagnole. C'est mon feu dans le. Je sais pas comment il faut faire, j'ai pas regardé. Ça devrait être ok. Je suis pas tellement inquiet. Peut-être que je devrais, hein. Allez, ça c'est passé. Assez long, je crois. Si, il est relatif. La route. Oh, coupé, c'était pas le bon. Peut-être le faire, mais je pense que.
arriver. Ça va pas le faire. Je savais qu'il fallait prendre la route. Pour s'en prendre la route pour la puite. Et à un moment après tu que vous avez atteint votre destination. En fait, la laser, tu perds tellement de temps. Ça paraît tout bête comme ça, mais... Ça perd beaucoup de temps à taper. Ah bah laisse tomber, je perds du tout la vitesse. Putain, ça me saoule. Ah, il va me saouler, ce pionnier. Je sais plus par où faut passer. Pas 100% me casser les couilles, le... Faut que je mette... J'ai trop chaud. En train de m'énerver, ça me donne chaud. Qu'il faut suivre la route. Hein. C'est possible. Je perds trop de temps. En fait, avec une voiture, avec une autre bagnole, ça irait, mais avec une bagnole, ça, un dérapage, tu perds. Attends que j'ai perdu, laisse tomber. Vas-y. Ma voiture, je pense que ça va assez vite aussi. Ça va pour quand on était sur le tout terrain, mais... Mais il va me falloir plus rapide. Ah putain, c'est pas un tirage que je voulais faire. Hein. Pas du tout. Vite. Déjà en vrai rien que la Sirocco elle va plus. On va essayer avec la Sirocco. Ah je vais galérer sur le pionnier. Il y a vraiment un truc relou toutes les semaines en fait. Enfin, vraiment que toutes les semaines il y a un truc relou. Le jeu vit pas bien s'il n'y a pas un truc des semaines. Sans jeu la différence. Ça va être serré, mais... Putain, il me manque que dalle. Que dalle. Putain, il est chiant ce pionnier, ça me saoule. C'est ce que c'est qui m'a fait perdre le mini contact avec l'arbre. Faire une demi-seconde. Vous avez
avez atteint votre destination. Ça doit être ok normalement. Allez. Putain, il était dur. Défi photo, photographier un Land Rover au club de Opala des Fuego. Ça va être le truc le plus dur à faire ça. Parlons ici. Hop, ça sera la miniature. Ok. Hop là. Le défi photo, je sais ce qu'il faut faire déjà. Regardez. Enfin, j'ai réfléchi avant le live surtout. Il me faut la Focus RS. Elle est où la Focus RS 2019? Voilà, 2019. Voilà. Piste d'essai. J'ai une amélioration en fait à la piste des plein de ah mais parce qu'elle est déjà améliorée c'est reste peu importe. Une autre, je vais en acheter une autre hein, parce qu'il y a bon de jeu, putain, mais c'est pas vrai. Putain, faut que je sorte et que j'achète le jeu. Va me faire acheter une Focus RS pour sa connerie, là. Non, mais vrai. Elles doivent être tout améliorées, mais il faut que ça reste 100%. C'est ça que. Il faut que ça reste que j'ai, elles doivent être. Ravi de vous revoir, l'artiste. J'ai acheté le pack de. J'ai acheté les derniers. Le pack de voiture. Bon, là, il faut que ça reste 2017, hein. Ce sera que ma troisième. Très probablement la dégager. De toute façon, j'ai des. Enfin, je termine un jour ce truc. Une bagnole de merde à 10 000 balles là, et puis. Balles, bon, ouais. Je sais pas, c'est quoi là, moi.
Mais en vrai, on s'en fiche, hein. Voilà pour ça. Donc, on va refaire. Test track. Je sais pas s'il y a un truc à dépenser. Attends, on va relire le texte. Dotez-vous de la voiture d'amélioration comme ça. Pas de montant. Regardez s'il y a pas de montant. Je perds du temps bêtement quand même sur pas mal de trucs. Hein. J'ai acheté ça. Les réglages, j'ai quitté. Rarement un truc à la con. Hein. Pour juste débloquer un trésor. J'espère que ça va. Oui. Hop. Alors. Si ils sont malins. Je sais que par là il y a une baraque. S'ils sont malins, ils ont foutu quoi. Vers la baraque, tu vois. Je sais pas pourquoi, je sens qu'il est vers la baraque. Voilà, faut que je regarde. Ils sont malins et nous foutent. Je pense que ça comprend le jeu. Hein. Je lance si on peut relever. J'aime beaucoup comment je commence à comprendre le jeu et ça sont les trucs à chaque fois sans réfléchir. Je vais aller faire les labos d'épreuve. Pas vu ce qu'il fallait prendre comme. La voie d'épreuve, ça. Violent. En train de dire, ils ont fait un labo d'épreuve où il y a trois courses. Du A800. En vrai, j'espère qu'il n'y a pas de tout terrain. Merde. Ça. Il y a des lumières partout. Putain de muret à la con. Ah, nique-toi là. J'allais faire quitter, mais on peut en gros. Des néons partout quoi. Pas de néons qui a fait ce circuit. De mur à la con là.
Oula. Ah, le tracé est bizarre. Hein. Sur lui-même, il est trop bizarre. Comme j'aime pas les tunnels, bah. C'est quoi ce virage? Comment je suis censé savoir que ça tourne ici là? Ah, mais vraiment, mais. Non, mais le tracé, je suis désolé, c'est n'importe quoi. N'importe quoi ce tracé, hein. Quand la vaut des preuves de merde. Ça faisait longtemps. Désolé pour les heures que le gars a passé dessus, mais c'est un labo d'épreuve de merde. En plus, la course, elle est longue. Ah, mais vas-y, mais putain, mais... Et mets des indications que ça tourne, en fait. À un moment, pense à aller se faire foutre. Aucun circuit au monde comme ça où t'aurais des virages sans aucune indication, quoi. Pense à aller se faire foutre à un moment, hein. J'ai dit aucun circuit, mais j'aurais pu dire aucune route, hein, parce que... Rien, même le GPS. T'as dit de faire demi-tour alors que t'as... Enfin, tu comprends. Un problème avec ce tracé, hein. Pas fan, hein. C'est un peu n'importe quoi à vouloir trop faire en fait. En fait, les créateurs, c'est des fois c'est à vouloir trop faire. Au final, ça devient de la merde. Là, le mec, il a voulu trop faire. Quoi. Je pense vraiment qu'il a voulu trop faire. Il a voulu faire passer dans tous les tunnels qu'il y a dans le jeu. En fait, c'est trop quoi. À vouloir trop faire, au final, ça fait de la merde. Virage, c'est de la merde. Ce virage là, c'est de la merde. Le virage là, c'est de la merde. Le virage là-bas au bout, il est même pas indiqué, donc ça, c'est la merde. Celui-là, c'est vraiment le pire. Le pire, c'est celui-là, vraiment. Il est pas indiqué. T'as une énorme épingle et elle est pas du tout indiquée. Vraiment, on est là, quoi. Eh ben. Ouais. Pas convaincu. Pas convaincu par vos conneries. Clairement pas convaincu par vos putains de conneries. Hein. Alors allez, je te refoutre hein, vraiment des fois. Enfin, quand t'as des idées, il faut te les mettre tu sais où. Et puis voilà. Hein. Et la garder. Et puis tu l'évacues dans les chiottes le lendemain, tu vois. Ouais, ouais. Des fois, faut y penser. Hein. Vraiment, je... Bon, on fait le deuxième labo d'épreuve, on va faire l'Eliminator, le test. On va commencer par l'Eliminator, parce que c'est ce qu'il y a de plus chiant, globalement. Il faut y passer plusieurs moments, plusieurs temps sur l'Eliminator. Si j'ai le genou qui arrête pas de me gratter, hein. Donc si vous me voyez de temps en temps, j'ai l'impression de m'approcher de la cam, c'est parce que ça me gratte. Ça me gratte à l'endroit où j'ai mal, donc... attention. Ah, c'est un coupé. Ah bien tout son.
Et pour le prochain, pour la suite du programme, demain matin, fin de matinée, Gran Turismo 7, et les Weekly Challenge. Demain après-midi, Star Wars. Vers 14h par là. Pour ce week-end, je sais pas trop, ouais. J'avais prévu un live samedi après-midi, mais je sais pas trop. On verra parce qu'il y a le The Event, j'aimerais bien regarder. S'il y a un moment où c'est un peu creux pendant le The Event, peut-être un live. Genre le week-end, genre ça. Enfin. Ah oh, putain, j'étais pas concentré sur l'écran. Attention. Ah, c'est entièrement ma faute. Parce que là, pour le coup, le circuit a l'air cool. J'aime bien l'idée. J'aime beaucoup à quoi ça ressemble. Par contre, sans tracer au sol, à mon avis, t'es mort aussi. Hein. À mon avis, sans tracer au sol, t'es mort. Hein. Il a fait une ville, quoi. Il a vraiment fait une ville. Petit géant, ouais. Clairement, à mon avis, sans tracer au sol, t'es mort. Il y a plein qui vont me dire, ah, le premier tracé était mieux. Je préfère ça. Grands axes comme ça. Même si là, à mon avis, sans tracé, vraiment, c'est foutu. C'est drôle. Tracé qui tombe comme ça beaucoup sur lui-même, c'est très drôle. J'en ai un peu marre des murs à la con, mais sinon tout va bien. Ok. Ah, n'empêche, là par contre, il y a du taf hein, parce que tout a été créé de toute pièce, il n'y a pas de route. Pas de route du jeu quoi. Là vraiment pour le coup, tout est créé de toute pièce. Hein. Peut-être qu'il a pris quelques assets que d'autres gens ont fait, ça y a... Ça c'est possible, mais... Quand même du taf, quoi. Il y a de la réflexion pour arriver à faire ça, quand même. J'arrive. Je suis absolument incapable. Même si je mettais toute la bonne volonté du monde et... je me pencherais sur le sujet, j'arriverais pas à faire... Bon, par contre, le circuit est cool, mais sans tracé au sol, je pense que c'est complètement mort. Contrairement au premier ou sans tracé au sol, je pense que c'est cher. Et là, on se croise en fait. Dans un endroit où on se croise d'ailleurs. C'est bien cool en vrai, j'aime bien. Ça fait très ville américaine avec tous les encombrants et tout, mais... J'aime bien. Heureusement qu'il y avait un muret, sa voiture est partie de travers. Hein. La fin. On va enchaîner, on va aller faire l'éliminatoire après. Après ça sera le test, en espérant pas m'énerver. Je suis littéralement passé 2 mm à côté. Let's go. C'était pas mal. Beaucoup mieux que le premier, labo. Hein. Mais labo, c'était vraiment une cata. Hein. En tout cas, pour moi, c'était une cata. Hein. Sans doute pas pour tout le monde. Mais... hop. J'ai déjà débloqué le... Pas fort.
Pas galérer sur Eliminator et c'est pas gagné. C'est jamais gagné en vrai. Top 30, ça peut se faire large, mais si tu tombes sur des bacs balèzes, des mecs balèzes, ça peut être éliminé et tout. Enfin, ça peut déjà arriver de devoir le recommencer 3-4 fois pour arriver à faire top 30. Attendre ça. Oh, c'est une fois par mois qu'il y a des éliminators. Hein. On peut trouver leur rythme de croisière globalement sur les saisons. Un peu toujours la même chose du coup, forcément. Moi, je pense qu'ils vont bientôt en vrai, arriver au bout de l'exploitation du système de saison. Enfin, en tout cas, peut-être de l'ajout de nouvelles voitures. Peut-être pas de. Peut-être pas du fait de faire des nouvelles saisons, en tout cas de l'ajout de nouvelles voitures. Et je pense que dès qu'il n'y a plus de nouvelles bagnoles, je fais plus. Bon, les mises à jour, tu vois, s'il y a du nouveau contenu, mais. Je pense pas qu'ils vont vraiment ajouter du nouveau. Je pense pas qu'ils vont ajouter du nouveau contenu éternellement. Là, il va y avoir un nouveau mode de jeu qui va arriver avec la prochaine mise à jour, mais après, je pense pas. La dernière grosse. Parce que là, mine de rien, il va arriver à 3 ans de jeu déjà, bientôt. Pas sûr qu'ils aient beaucoup. Peut-être encore des nouvelles saisons. Et je pense que tu redébloqueras des anciennes bagnoles. À un moment ou à un autre. Arrêtez là, je joue une nouvelle. On va avoir 6000 bagnoles dans le jeu. Par top 30. Objectif, éviter les gens. En fait, c'est comme dans la vraie vie, objectif, éviter les gens. Pareil. Presque, hein. Ça gère à peine, hein. Par contre, si vous voulez bien faire des éliminations, moi ça mange. Un drop au passage, ça serait cool. Et parce que j'ai pas l'impression. Personne fait. Allez, il va venir me challenge. Oui, il va venir me challenge. Ah, il me poursuit. 100% pour me challenge. Putain. Pas vite. Il n'est jamais assez vite en vrai.
Ouais, une action de duel. Qu'est-ce qu'on... Alors rien foutu de la game. Enfin, décompte. Et là, quoi. Ouais, ça m'arrange tellement que les mecs s'éliminent entre eux. J'ai juste envie d'être top 30 et après on peut jouer, quoi. Après, si vous voulez, on peut aller faire des duels, mais. Top 30 avant. Ah, 32 dedans. Merde. Comptez, hein. Normalement, c'est bon. Même si je me faisais limiter, on serait 30. Dans le top 30, c'est bon. Pas validé déjà. Jouer. Bah, là, en vrai, là, les éliminations devraient s'enchaîner un peu plus vite. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui faisaient. Cacher un peu. Je suis pas le seul à jouer un peu comme ça en vrai. Me battre hein, mais je vais le level 8 donc. Nouveau calcul de l'itinéraire. Un monde où il m'éclate. Dans 200 mètres, prenez le virage serré à gauche. Franchement je m'en tape. J'ai clairement pris une meilleure route que moi. Ouais, c'est perdu. Faites demi-tour dès que possible. Perdu, c'est pas grave. Cinquième, c'est ok. Franchement, je monte en top 30. Top 30 est fait. Un test. De l'Audi en A, de la BM, de la Mercedes, ouais, tout ça. Minutes. Chaque fois ça me fait ça. Ça c'est un truc qui est depuis le début aussi. Lance le truc, ça te sort direct. C'est un truc qu'ils ont toujours pas réglé. C'est un délire. Franchement, il y a des trucs que je comprends pas. Les mecs, ils ont certains bugs qu'ils règlent jamais en fait. C'est fou quoi. Je sais pas sur quoi il bosse les mecs à chaque fois. Voilà, bon, j'imagine qu'il bosse sur les fascistes, même s'il est pas annoncé, tu vois, mais je pense que ça fait un petit moment déjà qu'il bosse.
Même s'ils continuent de bosser sur la page 5 aussi, parce qu'ils ajoutent encore. Il y a certains qui bossent déjà sur les pages 6. Allez, on part pour le test. Je suis content parce que l'éliminateur ça a été vite, on s'est pas trop emmerdé. C'est assez rapide. A800. RS80. J'espère que le test va bien se passer aussi. Après, il nous restera les deux championnats solo et les DLC. Encore pour une bonne heure, hein, je pense. Si le test se passe pas. Le test se passe bien, ça. Tu m'en vite. Sur du tout, hein. Ça fait 3 invades. Enfin, je vois. Peut-être le fait qu'on soit un peu sur du terrain sera peut-être. Normalement, les gens ont tendance à un peu mieux. Ouais, mais. Il y a un peu eu un truc que j'ai remarqué. Okay. Après, si on tombe sur des TV, on tombe sur des. Oh, malheureusement, pas grand-chose. Sont un peu débiles. Si les IA sont débiles comme ça, ce sera une bonne chose. J'ai raté mon freinage. Oh putain, ma voiture elle est inconduisible. Oh ma voiture elle est inconduisible. Ah, je me suis vautré. Ah, je sais pas, elle est partie de travers ma caisse, c'est pas un plus fin. Ah putain. Ah désolé les gars, vraiment. Tu voterais, ça arrive. Il y a une différence entre le mec qui fait toujours 0 parce qu'il est nul, enfin. Quoi fait 0 parce que tu t'es voté. Là pour le coup, tu voterais. Je voiture un peu chiant, hein. Donc, pas une excuse, mais voiture un peu chiant. Les autres font le taf, heureusement. Là, j'ai été nul. Hein. Là, j'ai été nul, hein, vraiment. La LIA va plus vite. J'arrive pas.
Incroyable. Parce que ma voiture n'est pas très bonne. J'ai l'impression de me traîner en vitesse et tout, enfin y a un truc qui va pas. Clairement, il y a un truc qui va pas sur la bagnole. J'étais mauvais, hein. J'ai été très très mauvais, heureusement les autres sauvent le truc. J'étais clairement très mauvais. Ça arrive de se planter. Ouais, mais ça peut arriver. Je suis bien bien planté. J'ai 1000 balles à la cagnotte. 2 heures. Je pense qu'à 23 h on a fini. Hein. Ah, peut-être pas quand même. Il y a 4 championnats, hein, les deux coups. Ça dépend si on galère. Ouais, je sais pas. Normalement, j'ai prévu jusqu'à 23 h 30 de toute manière. 23 h 30, je suis sûr qu'on aurait fini. Non, je suis pas pressé. On a le temps, même si on finit à minuit. Alors moi, à chaque fois, je prévois 2 h 30 pour les saisons FH. Ouais, très souvent, on termine avant. C'est-à-dire des fois. On fait tout juste 2 heures. Sur le plus souvent, environ 2 h 15, en vrai. Un abri de chien. On n'a pas les points. Voir la bonne idée. Ouais. Moi, je pense que j'en suis assez peu assez capable avec ce bail. Très compliqué à piloter. Le réglage qu'elle a, hein. Ah, y en a un qui s'est planté. Par bon espoir que le mec il a 0 et remonte. Ah non, mais putain, si je me plante. Vraiment un abruti, il se... Ouais, j'aurais fait de la merde sur ce test, hein. Pas grâce à moi qu'on va faire les points. La voiture, vraiment, elle a un... Je sais pas, ça va pas. Vraiment, ma voiture, ça va pas. Ah, elle est pas bien, ma voiture. On n'a pas les points, quoi. Ils sont 3 à 500 points. Il va falloir qu'on se tape une troisième course. 100. Ah, c'est dommage, c'est la première course, on était bien parti. Hein. Pas grâce à moi, mais on était bien parti. Hein. Mec au fond à 0 point, donc pas gagner comme ça, simple. Sauf s'ils ralentissent les IA, et là, dans ces cas-là, peut-être. Oh, 0 point. Si les autres. Si, ouais, lui. Okay. Avance, qu'est-ce que tu fais? Ah, oh, mais c'est pas possible.
Oh bah il paraît je quitte hein, je sais pas mais. Faire tellement de temps. On a que 1100 points non mais. L'autre il dort là, je sais pas ce qu'il fait, il a FK cet imbécile. Enfin, ça aide pas aussi à un moment. Faut être gentil mais. Il est parti dans le mur. Ah mais l'autre il ralentit, il essaie de ralentir les IA mais. Tu fieras pas gros. Tu fieras pas, malheureusement, ça ne suffira pas. Avec un mec AFK, tu peux rien faire. Hein. Tu fieras pas. Ça va sans doute pas jouer à grand chose au final. Voilà. Petit d'or aussi, DNF, tu m'étonnes. Il est arrêté. Tu m'étonnes qu'il ait DNF. Bon, bah, troisième course. On va pas se planter, sinon, faut en faire tout le test. Mais ma voiture, ça va clairement pas. De toute façon, s'il faut refaire le test, je prends pas la même. Hein. Elle est pas efficace ma voiture. Inconduisible sur la terre. Ça va vraiment vraiment pas. On perd du temps à faire trois courses. En fait il a intérêt à avancer hein, parce que vraiment il était à FK sur la course là mais il a intérêt à avancer. Hein. Il est encore là donc. Là, il est rejoue là. Sérieux. Il y en a des fois, je te jure, ils font exprès de perdre. Je suis sûr qu'il y en a qui font exprès de perdre. Et là, c'est des trolls. Hein. Et 100% certains gars, c'est des trolls. Hein. Moi de la trajectoire pour histoire que je rate la le... voilà merci voilà pourquoi je veux pas jouer online putain quel idiot mais j'en peux plus jouer online j'en peux plus arrêtez avec votre mode de jeu online putain enlevez les online des jeux vraiment c'est de la merde l'online putain et voilà je suis quasiment dernier je passe pour un nul encore une fois. Putain, mais c'est pas vrai quoi. Insupportable les gens, insupportable. On est en coop, hein. C'est pas du versus en plus, enfin tu vois, donc. C'est encore plus débile, tu vois. Déjà, même en versus c'est débile, mais alors en coop c'est encore plus débile de jouer comme ça. Donc. Putain, j'en peux plus les gens, j'en peux plus. Je n'en peux plus du online. C'est de la merde online. Faites des jeux où on joue full solo, vraiment, 100% solo, sans online. Ça sert à rien le online, c'est de la merde. Les gens sont. Le tant que le QI des gens sera inférieur à 60, le online ne sert à rien. Le jour où dans la société le QI des gens sera autour de 100 au minimum, peut-être que l'online sera utile. Ça, tu sais ce que c'est, ça? Ça, c'est des Américains qui savent même pas que l'Europe est un continent. Et qui te disent, cite-moi le nom d'un pays, l'Europe. Quelle est la capitale de l'Espagne? La France. Voilà. Les Américains. On est là, quoi. Putain, bande de débiles. Première puissance mondiale, il y en a pas un pour attraper l'autre, parce qu'ils sont tous...
La voiture vraiment elle est à chier. Hein. Peut-être pas non plus à prendre du cœur. Impossible de performer avec cette bagnole. C'est la meilleure course que j'ai faite là, c'est la dernière. Impossible de faire quelque chose avec cette caisse. Bon, c'est quand même gagné, on n'en parle plus. Si on pouvait arrêter de jouer avec des débiles, ça serait bien. Ça serait bien qu'on puisse choisir d'enlever le online en vrai. Enfin, tu peux, mais t'es obligé de le faire pour la saison complète quoi. C'est-à-dire qu'on puisse faire la saison complète sans faire d'online. Tiens. On ferait pas du tout d'online. On peut plus, les gens. Bon, ma chaise est pas du tout confortable, mais. Normalement, peut-être que je répare ma chaise de bureau demain, j'ai reçu les pièces. Qui se sont pas plantés. Bon, la première fois ils ont envoyé des trucs, c'était pas du tout ça donc. Alors que cette fois-ci ça ira. Focus RS, non. Si on recoupe. On va voir. Ça va bien si on galère, on prend autre chose. Roulons français un petit peu. Qu'est-ce que ça dit? Le genou qui me gratte, c'est horrible. Allez. Parti. Je pense largement pas avoir la meilleure caisse, hein, mais. Tant bien, enfin. En pilotant bien. Et je me bouffe une. Bon, lui, il me bloque la route, il me fait chier. Pas celui-là, mais on n'est pas avec des voitures très rapides. Donc. Faire de performance est faible. Oh, la conduite. L'écart de performance est faible, plus la conduite. Et tu vois, moi je préfère conduire avec des véhicules de cette catégorie. Super rapide, supportable, bien chiant. Chaque virage, tu finis dehors parce que. De réaction pour le. J'ai catastrophe.
Pas beaucoup d'avance, hein. Je croiserai pas des masses, c'est pas certain. On retourne vers la ville. Win. Allez. Et d'une. Il en reste deux. Ça va très vite. Elle est assez rapide cette saison pour l'instant. Dominant, malgré qu'on ait galéré et compagnie, on dit qu'on est sur la saison. Ah, peut-être un peu plus. Horizon Arcade va bientôt commencer. Oh non, mais je m'en tape le temps. Bonne chance. Non. Hop, let's go, deuxième course. On va aller dans les tunnels un peu. Allez. Oh, je garde ce Megan. J'aime bien. J'aurais un peu peur d'utiliser parce que je sais qu'elle est pas très rapide. Mais en vrai, elle est tellement bien sur d'autres points que du coup. Un poil de vitesse probablement par rapport à certaines autres caisses. Catégorie. Oh putain, la bosse! La bosse m'a tellement fait décoller, je suis pas pu tourner. Du coup, j'ai fait un tout droit. J'ai fait un tout droit dans le mur, j'ai décollé et. Pas rien à faire. J'avais zéro chance. Par deux temps sur le premier. Ça le laisser partir, on reviendra jamais. Parce que comme je l'ai en point de mire, ça va être. Par mesure, on revient. Et sur ce freinage. La bagnole. Ça, c'est pas mal. Un petit peu aidé, même si je pense que je vais passer quand même. Allez, on est très bien. À fond jusqu'au bout pour terminer cette deuxième course. Ah, les sauts ils sont un peu énervés parce que. Pas tourner quand t'es en l'air quoi. Aussi arcade que The Combat en fait, où tu peux tourner quand t'es en l'air. Aucun sens, mais bon. J'ai changé de. C'est vrai que j'ai un super tirage. Nouveau prestige! Jeu 4 maintenant.
Le prestige 4. Effectivement, niveau. Sans chercher à faire les prestiges. Le prestige, le prestige. Pourtant, je cherche pas, je farme pas l'XP ni rien. Hein. Ça remonte juste en faisant les saisons. Enfin, peut-être les tirages en fin de live, c'est pas sûr. Tirage en fin de live. Un peu notre habitude ces derniers temps. Mais... Dernière course de championnat, il en reste un après sur la map du Mexique et après on part sur les deux DLC. Ça prendra peut-être une petite heure encore. À peu près. Je pense à peu près en vrai. On va finir vers 23h30. Pas au plus tard, 23h30. Faire un peu avant. Sauf si on galère sur, sur des coups de pub DLC. Comme ça arrivait la semaine dernière, on a galéré. Retrouver. Perdre un petit peu de... On va remonter parce que... Je suis passé là par contre. Ah putain, l'IA qui me fout dans le mur. Littéralement. Hein. Là par contre, vraiment, l'IA m'a foutu dans le mur. L'autre côté comme ça au moins la même chose. Allez, 50% de la course devant, gérer maintenant. Il a bien terminé. En vue de la connerie, il peut arriver. Hein. De l'avance. Allez, c'est bon. Allez, premier championnat. C'est l'idée. Masse de bagnole depuis tout à l'heure. Une idée de ce qu'on va en foutre. Hein. On va pouvoir les dégager, je pense. On va récupérer les nouvelles voitures après. Hein. Termine le dernier champ. Ouais, on récupère. Voiture de tous les jours et performance 3.8.
Ça veut tout dire et rien dire à la fois, ce truc-là, mais... Allez, j'appuie. Attendez, j'appuyais. Voilà les petits bugs Forza Horizon, hein, on est habitué. Merci. C'est laborieux. Du A800, hein. Putain, je reprends pas l'Audi. Hein. Non, de la merde. Formentor, non. 63, mais que dalle de freinage. En même temps, elle a pu se faire du 4. En la M4, tant pis. J'ai envie de régler une autre. Voiture quotidienne, putain, le mec il roule en M4, hein. Pas mal. Hein. C'est pas mal quand même. Hein. Ils sont bien gentils, mais bon. The Event 2022. The Event 2024 maintenant. Faites un jour, les gars. Pas trop ce circuit, je pense c'est de l'avoir trop fait. Ça a vraiment fait beaucoup. Yeah. Ça trace en devant quand même. Allez, ils mettent un gros coup de frein ici, du coup, ils perdent. Je sais pas, c'est que je vais regarder beaucoup pendant le jeu. Je pense MV, un peu comme d'habitude. Après, je sais pas, ça va dépendre des heures aussi. Je pense que je vais regarder pas mal en vrai. J'ai rien à faire ce week-end. Ah, il y a l'équipe de France. Regardez. Regardez, dame. Intéresse là les... Non, pendant le The Event, je sais pas que c'est le paradigme. Ça va un peu dépendre de ce qui se passe aussi. Parce que je sais qu'il y a certains streamers, je suis pas trop habitué à regarder, donc je pense qu'on peut pas vraiment regarder. Mais... mal regarder MV. J'aime beaucoup MV. Ma génération un peu, j'aime.
Il est plus vieux que moi, mais je veux dire, c'est une génération qui me parle, on va dire. Allez, première course, c'est validé. Bon, ça va, pas trop. Si vous posez la question éventuellement, sachez que Légende Pokémon Arceus, on va reprendre. C'est prévu qu'on joue bah, hier. Bah, le live de la semaine dernière sur Légende Arceus, il a sauté, et celui de cette semaine, il a sauté. On avait vraiment pas de chance. Du coup, mais... Quelques petits... Ça va revenir, ça va reviendre. Ah, on a lâché l'affaire. Même SnowRunner, pareil, on n'a pas lâché l'affaire, mais compliqué de tout caler, et surtout si t'as des sessions de stream qui sautent, t'invites un peu le banc. Pardon, je vais te bailler. Ouais, je suis pas forcément en fait. Ouais, là j'ai surtout faim. Pas beaucoup mangé de sang. Après là, je suis peut-être à me chercher. Faudrait pas normalement. Attraper les deux premiers, ça va être chaud parce que la course est pas très très longue ici hein, en vrai. Et en plus, ce passage-là, il est bien chiant. Avec ma bagnole, ça va pas être forcément. Enfin, au moins terminer deuxième éventuellement. Faire du pire. Pas premier. C'est vrai que ma voiture sur ce tracé elle est pas forcément. Pas la bagnole la plus agile. Pas vraiment avec ce virage là par exemple. Je pense que la première place c'est bon. Trop près de la fin pour jouer. Sur ton rond. Hein? Ah, ça va faire deuxième, fallait gagner la dernière course. Hein. Il va clairement falloir aller gagner la dernière course. J'aurais tellement pu presque. En conduisant mieux, je gagne. Bah, pas de beaucoup en plus, hein, vraiment. Un poil un peu mieux. En vrai, ça va, mais faut que je gagne la dernière course. Et dans le caca. J'aime pas trop ce tracé, il est chiant en plus. Pour ça, avec ma voiture, c'était. J'étais clairement pas avantageux. Ça devrait être un peu mieux celui-là. Tracé. On récupère la nouvelle voiture après ce coup-là, et après on part sur les deux DLC. Ça va bien se passer. Une heure et demie qu'on est sur FH. Un peu plus quand même, je pense. 1h45, non? Je sais pas à quel moment du live on a switché. Un peu moins d'une heure de live. La saison passe quand même très vite.
principalement inspiré vers l'extérieur. Allez, go! Ils sont pas loin devant. La course est pas longue aussi, celle-là. Celle-là est pas non plus très très longue. Hein. T'arrives au bout. Hein. Heureusement, ils nous ont pas lâché. La spi, ça m'aide à remonter. On appuie sur eux pour le dire. Bon, sachez aussi que la semaine prochaine, c'est enfin le retour de l'intégrale PS2. Ça, c'est une certitude. Alors, ma PS2, bizarrement, je sais pas pourquoi, ça, je peux plus l'afficher en HDMI. Donc, voilà, je peux pas la capter avec le boîtier. Avec le boîtier de capture. Je sais pas pourquoi. Hein. Vraiment, depuis que j'ai changé de boîtier de capture, je peux plus capter la PS2. Donc, on va le faire en émulateur. Hein. D'ailleurs, les jeux, je les ai, donc un problème. Je les ai, j'ai la console, mais c'est juste que bah, via émulateur, ça va pas changer grand chose. Si ce n'est qu'on n'aura pas la manette d'origine. Ça me va un peu chiant, ouais, parce que j'aimais bien streamer directement depuis la console. La PS2, mais là, on est vraiment dans la pure authenticité, quoi. Et sachez que du coup on est toujours sur le troisième jeu, donc on est toujours sur 007 Espion Possible et on va recommencer. Pour la simple et bonne raison que du coup bah, comme on est sur l'émulateur, j'ai pas ma sauvegarde. Je suis obligé de recommencer. Ouais. Mais en vrai on avait 4 heures de jeu, le jeu il se termine en 6 heures quoi. Même pas. Si on galère pas, il se termine en 4h30, 5h. Deux sessions on peut le faire, même en une en vrai. Si on fait une longue session, on peut le terminer en une session. Ce sera en tout cas plus court que les deux premiers jeux qu'on a fait. Hein. On a mis 6 mois, je crois, pour chacun, quasiment. C'est un enfer. Surtout le deuxième jeu, quoi. 6 mois pour le faire. Bon. Ah, il y a beaucoup de... Du coup, beaucoup de trucs qui doivent... se faire sur la chaîne quoi, mais j'ai un planning plus ou moins en tête. Hein. SRT Durango, let's go. C'est ok. On va aller la checker un petit peu. Pas déjà prise. Dodge. SRT Durango L4. Ils ont pété un cap chez des. Je peux te dire que chez Dodge, ils ont pété un plomb. Ah, je l'avais déjà. Pas bien méchant. Hop. Allez, on part sur DLC. On va pas galérer. Ce serait une bonne chose. J'ai lu 121 heures passées à la première place, je sais pas combien d'heures de jeu on a. Je sais pas si on peut le voir. Je sais pas si on peut le voir. Sur Play, on peut. Muscle Car Moderne à 800. Efface un peu de tout terrain. Muscle Car Moderne à 800. La vitesse c'est pas excessive donc je pense que ça va, c'est pas ça le problème. Le problème c'est le tracé. Le problème c'est le tracé, il y a un virage dégueulasse sur cette zone. Yeah, c'est un endroit et tout, ouais, elle est un peu dégueulasse cette zone de vie. J'ai vu 105, 104 et quelques, donc 105 on va dire. Ça a l'air horrible. Hein. C'est pas horrible. Le problème c'est le tracé quoi.
Allez, remonte. Allez, une grosse accélération. Ça va le faire. Il a une bonne accélération, donc c'était cool. Bien aidé. Super SUV à 800, ça je pense que ça devrait être tout. Ouais, accélération, bien aidé. On est quand même descendu genre à 60 à un moment. Au-dessus de 100, donc. Un super SUV en A800. Qu'est-ce qu'on a, l'Aston Martin? On a du Formentor. Putain, j'en parlais tout à l'heure du Formentor. Maintenant, le problème, c'est qu'il a pas. Grand Cherokee, très lourd. Très lourd, très lourd. Le Urus, c'est pas mal. Le Range Rover, elle est pas mal. Cayenne est sympa aussi. Cayenne est sympa, mais il est pas ça. Non. Il paye. Va pouvoir en deux, je sais pas trop pour la troisième. Allez, championnat de trois courses sur le DLC Rally Adventure. Après on part sur Twist. Pour la même routine en vrai. Semaine. Saison FH se suivent et se ressemblent. Hein. Pas maintenant qu'ils vont révolutionner la façon de faire. Peut-être sur les FH6 quand ça sortira, ils révolutionnent. La FH5, je pense que c'est plus maintenant que ça va changer. Hein. Pourquoi je pars en travers comme ça là? Ouais, c'est connerie quoi. Bah elle fait faire du tout terrain quand on n'est pas avec des pneus dragster, hein, tu vois. C'est alors quoi la voiture? Putain, vas-y, je me bouffe le muret maintenant. Non, mais sinon, tu veux arrêter de faire la même connerie? Je fais un rewind, je me bouffe le. Je fais exactement la même connerie, ça suffit quoi, putain. Putain, mais quel débile! Ça me saoule! Ah, sérieux! Il marche bien ce 4G. Il marche vraiment pas mal. Je crois qu'il fait n'importe quoi au niveau conduit. Voilà, encore une fois. Ça va changer. Ça change pas les mauvaises habitudes. Il est bonne d'ailleurs. Allez, la première course va être gagnée. Après, j'ai largement de la marche sur les IA. Donc, ça permet de compter un peu mal, mais faut pas non plus partir en tête à queue, quoi.
Pas exagéré quoi. Pas de la marge, mais pas à ce point. Allez, deuxième course. Ok. Ouais, mais vraiment, sur cette saison, on n'a pas eu trop de problèmes. Le test, bon, on a fait la troisième course, mais ok. Attends, ça a été vite. On a un peu galéré sur le pionnier, mais en vrai, ça va. C'est juste que j'avais pas la bonne bannière. Ça déroule, hein, globalement. La saison déroule quand même pas mal. Ça m'arrange qu'on galère pas trop parce que. Je t'ai dit, j'ai passé. C'est assez horrible. Hein. Bien réel. Ça m'arrange que ça soit relativement tranquille. J'ai bataillé un peu et t'énerver. Probablement un peu de fatigue latente aussi. Remonter. Pas beau de dire c'est tranquille et compagnie, mais sixième. Hein. Je me déteste à conduire comme ça, vraiment. Ça me trigger. Pas mal. Je suis quatrième. Je viens prendre des barrières, c'est bon. Et pour aller vite. Je les prends tous. Les barrières de la. Il y a 10 barrières dans la course, je prends les 10. Vas-y, je rate le checkpoint. Non. Je prends cette course. C'est pas aujourd'hui, hein, c'est juste course pour l'instant. Ah, tout à l'heure sur The Commander Vest, on a galéré sur une aussi, mais je fais la même erreur. Un rewind, je fais exactement la même erreur. Tu le dis ça? Après, on est qu'à la moitié de la course. Tiens quoi. Ah bah, je vais où là? Je vais où? J'en ai marre, putain! C'est pas possible! La voiture, elle part je sais pas où là, ça me saoule! Vas-y, allez, fonce dans le mur, droit dedans. Droit de non. Je pense que pour la première place, c'est mort. Hein. En même temps, ça sera mérité parce que j'ai tellement mal conduit. Ce enfin, sera un hold-up, si je. Ah, c'est bon. À la fin de la. C'est mort. En même temps, j'ai pire qu'un mal conduit. Je me focus sur la dernière. J'ai pas tout le championnat recommencé. On peut éviter, c'est pas mal. En vrai, c'est pas grave de faire deuxième, parce que tu gagnes deux courses, tu fais deuxième à une, t'es sûr de gagner. Mais... Chier quoi. J'en ai marre. Normalement, je gagne quoi. Enfin, je suis comme un pied, ça me saoule. Il fait 15 degrés dehors, là. Ça fait trop. À rentrer du froid là un peu. Ça va faire tellement de bien le froid, putain. Chaleur, on en peut plus. Allez, faut gagner cette course. Hein. Oh. Je vois qu'on gagne pas, on la recommence.
de recommencer le championnat. Bon, par contre, quand tu veux, FH, hein, vraiment, j'appuie. Hein, je... Pas s'énerver, pas s'énerver. Voilà, calme. Énervant, mais... C'est un peu ce qu'il faut retenir des fâches à chaque fois, c'est énervant, mais il faut pas s'énerver. FH quoi. En fait le jeu est top et en même temps il est super énervant parce qu'il y a plein de trucs qui font chier. C'était je sais pas, c'est bizarre. Il y a vraiment plein de trucs qui font chier dans le jeu. Comme des fois quand ils ont des idées à la con sur certains défis, tu vois, chier. Quand les IA conduisent comme des pieds, ça fait chier parce que les IA sont nuls à chier sur FH. Totalement débile. N'allez pas me dire, hey, les IA des FH c'est trop bien. Non, non, les IA des FH c'est de la merde. Tous ceux qui disent les IA des FH c'est trop bien, ils ont joué 2 heures à FH. Parce que putain, nom de Dieu quoi. Ah, les IA de Forza Horizon c'est rarement de la merde. Hein. Pas de la merde parce qu'elles sont nulles, hein. Elles sont débiles. Elles sont vraiment débiles. Parce qu'en vrai, elles peuvent être fortes. Hein. Si tu les mets à un niveau très fort, t'as du challenge. Hein. Et de course là, ça devrait être au piège. À la deuxième, je sais pas ce qui s'est, je sais pas ce qui s'est passé, mais barrière. Ça aura le cul des barrières. Pas une option pour les enlever. Tu me diras, je les enlèverai, je finirai à plein de pouces les oies, donc... Mais déjà, même avec les barrières, je finis à plein de pouces les oies des fois dans certains virages. Du coup, finalement, c'est pas mal quasi soi. Pas longue celle-là, pour ça. À la fin. Bah, ils ok. Hein. Ok, ils ok. Bah, je sais pas trop pour les streams ce week-end. Du coup, je crois que j'avais prévu du SnowRunner. C'était quand? C'était samedi après-midi, je crois. Star Wars, je sais plus. En tout cas, le live de samedi, c'est pas sûr. Hein. Le live de samedi, c'est pas sûr. Dimanche, c'est quasiment sûr que je stream pas. Vraiment. Dans certains dimanches, des fois, on se laisse un peu parti, libre, autant je... Parce que je ne sais même pas. Radar championnat saisonnier, let's go. Part sur Twist. T'as peu de chance, le radar va être moins chiant que la semaine dernière. Leur bagnole à 200 000, on a dit, là, où il fallait faire... C'est abominable. Ça n'avait aucun sens. Ça n'avait absolument aucun sens, mais bon, ils ok. Hein. Ils disent... let's go, allez. Pas de problème, on va faire les tirages en fin de live. Où c'est que c'est? Où est-ce que vous êtes? Attends, bien sûr, il va être au dernier endroit où je vais. Le seul car moderne à 800, 331 kg. Seul car moderne en A800. Je peux pas prendre la même que j'avais. Alors on était sur du tout terrain et... Ah et... On doit reprendre la même. Plus rapide en hein. Tank Dark Horse.
Je pense. Réglage, je pense. Pas de réglage trop. Je sais pas. C'est plus rapide que ce qu'elle est déjà. Ça va suffire. Faut faire combien? Il faut faire hop 141. L'avantage c'est que sorti dans un looping le radar. Non, dans le looping je pense. On perd dans la montée, mais dans la descente, je prends tellement de vitesse que je pense que. Largement. Vous avez atteint votre. Ça aide. Circuit de vitesse du tout, putain, vas-y, c'est le pire circuit. Fallait bien qu'on se le tape, hein, ça va. Ça faisait un petit moment qu'on l'évitait celui-là, fallait bien qu'on se le prenne un jour. Alors c'est du S1, tant mieux. Ah, ça fait un peu chier. J'aime pas, est-ce qu'il est trop long? Pas forcément que j'aime pas le circuit, c'est qu'il est trop long. Oh, la One. 177. Il est 11h. On va finir largement avant 11h30. 11h15, on va finir. Là, il y a le tirage à la fin du jeu. Ah, les tirages, ça va vite. Hein. Je vois qu'on a que deux tours. Pourquoi il a laissé à deux tours cette tir? Ah, deux tours. Là. Merci. Il va mettre souvent à deux tours. Ça. Tant mieux. Déjà long, donc pas que j'aime pas le circuit en plus, hein. Juste qu'il est long, quoi. Le circuit en vrai, ça va à peu près. Poche, mais. Juste très long, le circuit fait 2 minutes, quoi. Même plus que ça, 2h30, je crois. Après, ça dépend de la bagnole que tu. Il est long inutilement quoi. Vous aurez probablement le replay de The Crew Motorfest qui va popper demain. Peut-être Forza Horizon 5 aussi. Forza Horizon 5 là, peut-être pas. J'essaie de faire popper les deux replays demain, mais c'est pas sûr. Le promoteur fait, je pense que ouais. Forza Horizon 5, ça va peut-être être tendu pour qu'il pop. Pas en retard sur les replays là, donc ça. Comme il n'y a pas eu de live hier, à part lui de. Pas du tout avoir de live. Après, généralement, les replays, c'est genre 48 heures grand max. Hein. Pas bien en avant. C'est tôt, des fois le jour même, hein, ça. Comme j'ai dit. Par contre, il y a deux jeux, je voulais trouver en deux du coup. J'édite si vraiment il y a un souci ou j'ai genre j'ai une coupure. Ouais, bah. Comme le toit, là, quand on passe nos runners, j'ai 5 minutes. Finalement, là, le tour il a été rapide, ouais, 22 ça. Le toit, ouais, je disais quand j'ai un snowrunner, du coup, ouais, j'ai eu une coupure de 5 minutes, du coup, j'ai un cut et
un montage pour partir. Ça prend un peu plus de temps à faire parce que c'est pas très dur en soi. C'est compliqué. Enfin, tu commences pas à faire de montage vidéo. Enfin, tu t'inquiètes des parties et c'est pas très. Ouais, en fait, je pense qu'il se plotte pendant la nuit là sur YouTube. Chance. Il sera prêt à poster. On se demande début d'après-midi. Non, mais attends, on fait tête. Hein? Probablement, genre entre midi. Pas sûr, on verra. M'avance, hein, mais s'il faut. Il sort que samedi. Ah, bien sûr, si vous me voyez foncer dans les murs, vous inquiétez pas, je sais quand même à peu près conduire. Hein. C'est juste que Hot Wheels. Vous avez faim. Hot Wheels, vraiment, on s'en fout. Hein. Ça va plus vite de conduire comme ça en plus, donc. Pas s'emmerder. Finalement, cette course a été relativement vite parce que, bah, du coup, avec deux tours, c'est quand même déjà un peu plus agréable. Non, la course, elle fait presque 7 minutes. Elle fait 7 minutes. Minutes de cette merde, c'est long. Là, du coup, on est déjà sur 5 minutes quasiment, donc. Bien amplement. Changement de niveau. Puis des fenders qui dégagent. Allez, il nous reste deux courses. Celle-là va relativement vite, c'est un sprint. On tarde de voir un peu là, le nouveau contenu de la semaine prochaine en vrai. Cache-cache, là je sais pas quoi, je sais pas s'ils vont le mettre en saison ou quoi. En vrai, je testerai pas, hein, sauf s'il est en saison. Hein. Top, hein. En vrai, je m'en fous, hein. Sauf si en saison il me demande de le faire. Ça remplacera peut-être l'éliminator de temps en temps, je sais pas. Parce que vraiment en fait je m'en tape moi personnellement. On parlerait peut-être des vidéos de gens qui jouent à ça peut-être. On voir à quoi ça ressemble mais. Ça passe pas des masses en vrai. Moi je fais le contenu s'il y a des nouveaux circuits. Enfin, la dernière fois que j'ai ajouté des nouveaux circuits, j'ai. Pour dire à quel point sur FH en live on fait vraiment saison de classement. La semaine prochaine, double session de The Crew Motorfest. On arrive à se caler ça. Alors, soit on fait les deux à la suite et possiblement ce qui va se passer. Ah, la playlist plus là. Tu le vends ce qui va se passer. Je vais lancer deux fois The Crew Motorfest, je pense que. Enfin, les deux. Je sais pas s'il y aura un live jeudi soir prochain. Je suis pas encore. Pas encore fixé sur un truc. A priori, normalement, je suis pas là. Mais éventuellement, peut-être que je suis là, si le truc était prévu s'annule.
écouter en fait. Et quoi qu'il arrive, la saison FH, si elle est pas faite jeudi soir, elle sera peut-être le vendredi. Moins dans la journée ou le soir. Si éventuellement elle est pas faite jeudi soir. Sinon, normalement, elle a fait le jeudi soir. Sauf si voilà, il y a déjà des uns. Annulés. Et comme normalement on fait le semi de The Confess le mercredi. Mais actuellement, plus comme là on l'a fait du coup juste avant le live FH, on l'a fait du coup. Soir. C'est toujours. S'il y a des imprévus, ça peut changer. C'est pas fixé à chaque fois forcément. Le principal c'est que ça soit fait quoi. Ça vous est déjà arrivé de faire la saison FH que presque le lundi ou le mardi d'après. Hein. Extrêmement rarement, mais c'est déjà arrivé. Pardon, je peux pas le faire. Split de vitesse, là. Ok, let's go, ça va aller vite aussi, tant mieux. Après, on finit avec les tirages, et après, ciao! Ah, ciao! Dernière course de la saison. Allez, parti. Ah, le message qui vient de passer dans le chat, ça me fait penser que j'avais claqué mon abo Prime quelque part. Toujours pas fait. D'habitude je le fais le 5, le 5 comme ça. Toujours pas fait. Je sais qui je vais. Enfin, j'ai ma petite idée. Et ben si vous avez des primes, allez lâcher si ou ailleurs, mais en tout cas lâchez-les quoi. C'est gratos. Hein, ça soutient les. Soutient les créateurs en vrai. Pas de l'argent qui dorme. Enfin, j'hésite même à changer mon adresse mail de Prime en vrai pour le claquer chez moi. Et... Petit de Prime de l'année. Peut-être ce que je vais faire. Ce que je vais finir par faire, je pense. Je claque mon Prime avec un autre. Ça, c'est une technique, ceci. Toto lâche ton Prime. Je rembourse une partie de ton abonnement Prime en vrai. Genre l'année. L'abonnement Prime il a combien? 6,99. Un abo sur une chaîne, je crois que le stream prime touche 2. La moitié de ton abonnement. Technique de rat, clairement. Bon, let's go, ça c'est fait, c'est fini, on n'en parle plus. Merci beaucoup, FH5. Merci pour le contenu. On va aller faire les tirages avant de quitter. On va voir ce qu'on va gagner de beau. J'ai dit des voitures de merde qu'on n'a pas besoin, qu'on va revendre à chaque fois. Pas mal de tirages, je pense, mine. Cadeau. Là, j'ai plein de super tirages. On va commencer par les tirages, normalement. 3 et 8 super tirages, ah oui. Allez, Dodge Charger L4, 40 000.
90 000 balles. Allez, elle est super. Il y a 441 millions de crédits. 75 000, 20 000, une Alpine. 30. BMW, Myers Manx, Ford Capri. Ça... 250 000, pas. 500, allez. Et une Renault Clio, la Porsche, je sais pas combien elle coûte la Porsche. Un peu. 750 000. 5500. 35 000, 90 000. 75 000, 15 000, 15 000. Chargeur, BF, 5 000. Et pour faire 90 000, 1000 et 125 000. Let's go. Là, 443 millions. Est-ce que je peux mettre des pièces de voiture? C'est fait pour être. C'est qu'au début, je m'étais fini. Bagnole, mais. Ça prend tellement de temps. J'imagine même pas. Sur ce, on va se quitter là-dessus cette semaine pour FH5, comme je vous ai dit. Peut-être que ça sera pour jeudi prochain le live, mais c'est pas sûr. Peut-être que ce sera vendredi, mais en tout cas, FH5, la nouvelle saison la semaine prochaine, c'est sûr. Merci à tous, je vous souhaite une bonne soirée, on se retrouve très prochainement sur la chaîne. Allez, à plus les gens!